Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur Fonceau et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Ça s'appelle Flash Talk et vous le savez, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est dans le 11e arrondissement de Paris pour parler de nos vieux jours, Sonia. Oui, Raphaël, comment bien vieillir? Est-ce qu'on s'occupe bien de nos personnes âgées ici en France? C'est le débat du jour et c'est vous qui allez le faire, ce débat. Vous le savez désormais, hein, Flash Talk, c'est votre émission. C'est vous qui faites le débat. Ben oui, vous participez évidemment autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux, en likant notre page officielle sur Facebook, sur Twitter aussi, avec le hashtag FlashTalk. Et puis, vous le savez aussi, c'est une émission intégralement filmée au smartphone. Qui a envie de filmer cette émission? Dites-moi, mademoiselle va filmer, je te prête donc ce smartphone, et puis toi aussi. Je rappelle aussi qu'on n'est pas seul, hein, y a les gens du public, mais aussi nous avons notre community manager qui est là, c'est Mélanie. Et puis à côté d'elle se tient notre cartooniste de la semaine, Mikaya, que je viendrai voir quelques fois pendant l'émission. Alors, est-ce qu'on s'occupe bien de nos vieux dans ce pays? Tiens, je vais commencer par une jeune fille. Tiens, vous, à votre avis, à quel âge est-ce qu'on devient vieux? Quand on a du mal à s'occuper de soi-même, à marcher, à tout. Il n'y a pas d'âge pour moi. Est-ce qu'on s'occupe bien des personnes âgées dans ce pays, à votre avis? Je pense pas. Pas assez. Pas assez? Non. Pas assez? Bah attends, on va poser aussi la question ici. Comment ça va? Ça va. C'est quoi ton prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, tu viens d'où toi? Je viens du 11e, Paris. Du 11e. Ah bah on est chez toi aussi, mais je sais aussi qu'il y a la Martinique pas loin. Ouais. Il y a la Martinique qui n'est jamais très loin de chez nous. Bien sûr, évidemment. On salue d'ailleurs tous les copains, les copines qui nous regardent en Martinique aussi. Dis-moi, est-ce que tu penses que vieux, c'est une jolie étiquette? Non. Est-ce que tu te considères comme vieille? Non, pas du tout. Bah non. À part mes enfants, mais bon. Ah, tes enfants disent ça. Senior, sinon? Oui, senior. Mieux déjà. À partir de quel âge on va se dire qu'on est senior? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc pour c'est toi, dans la tête ça se passe. Parce que moi, j'ai travaillé comme aide à domicile. Chez ah, voilà. Âgées. Alors, okay. Je sais que oui, on fait beaucoup d'eux, on les aide énormément. Voilà. Ça hoche de la tête hein, derrière moi aussi. Hein. Il va oui, être j'entends. Beaucoup question de ça, Sonia, aujourd'hui. Hein. C'est vrai aussi derrière moi. Et j'ai Pierre qui me disait à l'instant, on n'a pas le temps, c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense que les vieux, enfin, excusez-moi, les personnes âgées, si vous voulez, on les met de côté un peu vite pour remplir notre vie professionnelle, nos occupations qui semblent si préoccupantes. Et pourtant, on devrait les garder chez nous plutôt que les flanquer en maison de retraite, si je peux me permettre. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est le manque d'attention. On doit les montrer qu'ils ne sont pas séparés de la société, ils ont encore leur place. Et au contraire, la vieillesse est une force plutôt qu'un poids. C'est comme ça qu'il faut le voir pour moi. Alors, est-ce qu'on ségrègue les personnes âgées aujourd'hui dans la société française? Avant de poursuivre ce débat, je vous propose de poser quelques chiffres. C'est le Data Flash de Juliette Jean. Près d'un Français sur 10 a 75 ans ou plus. La raison, nous vivons plus longtemps. En 1980, un homme avait peu de chances de dépasser les 70 ans, alors qu'aujourd'hui, il peut espérer atteindre 80 ans. Et une femme, 85,3 ans. Mais avec quelle qualité de vie? 1,3 million de personnes âgées sont dans un état de dépendance. Faire les courses, préparer les repas, se laver sont des activités devenues difficiles, voire impossibles. Alors pour certains, la solution, c'est la maison de retraite. En 2015, 10% des 75 ans ou plus fréquentaient ou vivaient dans un de ces établissements spécialisés. Encore faut-il pouvoir payer sa place? Le tarif moyen d'une place en EHPAD, 1953 euros par mois, est souvent supérieur au niveau de vie des seniors. Et oui, la dépendance coûte cher, à l'État également. La France alloue 24 milliards d'euros au financement public de la dépendance, soit environ 1% de la richesse nationale. Mais la vieillesse peut aussi rapporter gros. Les seniors, c'est un marché, on l'appelle la « silver economy ». Elle pourrait générer un chiffre d'affaires de plus de 130 milliards d'euros en 2020. C'est sans compter les services rendus à la société par les seniors non dépendants, comme la garde et l'éducation des petits-enfants par exemple. Le temps passé par les grands-parents en babysitting est supérieur aux heures travaillées dans les crèches. Malgré cela, 6 seniors sur 10 ont peur de devenir, à terme, une charge pour leurs proches. Alors est-ce qu'il fait bon vieillir aujourd'hui en France ? Ah bah c'est la question qu'on va se poser tout au long de cette émission et je vais aussi la poser à Denise qui est là. Comment ça va, Denise? Très bien. Denise, tu vis où, toi?
Paris 10e. Est-ce qu'on peut te demander ton âge ou tu es trop coquette pour nous le dire ? Oh non, pas du tout, j'ai 83 ans. 83 ans, et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment ? Je suis prof de gym. Elle est prof de gym. Et pour tout vous dire, c'est l'ancienne prof de gym de notre rédactrice en chef, c'est ça ? Elle est avec nous, et puis c'était assez, pour nous, étonnant de l'avoir. Donc c'est pour ça qu'on a aussi demandé à Denise d'être là. Tu donnes donc des cours à des seniors, mais aussi à des juniors. Tout public confondu. Tout public, voilà, tout le monde peut venir. Pour le pilates et pour le stretching. Ah ça y est, tu rentres dans les termes techniques. Regarde-moi, tu crois que je sais ce que c'est le pilates ? Non, je ne sais pas. Le pilates, c'est une méthode douce qui fait travailler l'ensemble de la musculature à partir des muscles profonds. Mais t'as toujours été prof de sport, toi ? Non, je me suis mise à la retraite. Qu'est-ce que tu faisais alors ? Il me manquait un diplôme, je l'ai passé à 60 ans. Mais... J'ai créé mon association il y a 13 ans, qui s'appelle Gym Harmonie, et je suis au Joyeux Trotteur. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans, mais c'est incroyable. Bah alors, Denise, c'est quoi le message qu'on passe aux seniors ? C'est quoi l'idée ? C'est cultivez-vous, bougez-vous, activez-vous. On vieillit à partir de 25 ans. On perd. Ah voilà, alors ça c'est de l'info. Hein. Si vous n'étiez pas au courant, vous nous regardez, vous avez 24 ans. 25 ans, vous êtes fichu. Hein. On perd 2% de la masse musculaire à partir de 50 ans. Si on ne fait rien... Si on ne se bouge pas, si on ne fait pas travailler sa mémoire, ses articulations, ses muscles, les contacts, aller vers les autres, c'est la vieillesse assurée. Donc, il faut faire de la gymnastique régulièrement. Pas une fois tous les mois, pas avant de mettre le maillot de bain. C'est vraiment ou 10 minutes par jour, ou 2 heures minimum, voire 3 heures, c'est parfait. Voilà, ça c'était un message pour tous les blogueurs, les blogueuses, les influenceurs qui nous disent le bikini summer, là le bikini body. Non, non, il faut le faire tous les jours. Hein. Merci Denise, tu restes avec nous. Alors pour faire travailler la mémoire et les muscles, par exemple les zygomatiques, on peut aussi chanter. Et je vais vous présenter maintenant les membres de la chorale Huguet the Power qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On peut les applaudir. Les choristes du Get the Power sont donc des résidents de maison de retraite de Mayenne, menés ici par Pierre qui est avec nous. Et vous faites partie donc d'une chorale, on les entendra chanter à la fin de cette émission. Et j'ai Noëlla qui est là aujourd'hui parmi nous. Ça va bien Noëlla ? Ça va très bien. À partir de quel âge on est vieux à votre avis Noëlla ? À partir de 50 ans. Hein. À partir de 50 ans, c'est à peu près raccord avec ce que vient de dire Denise. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette chorale ? Ouais, ça fait deux ans. Qu'est-ce que ça leur apporte aux membres de la chorale de chanter avec Huguet the Power ? Eh ben, plein de choses. Je pense qu'ils pourraient vous en parler. Mais je sais que, par exemple, il y a Madeleine qui est ici. Madeleine, elle était en fauteuil au début de la chorale. La première répète, je n'ai pas vu faire un sourire. Maintenant, je la regarde. Madeleine, ça va ? Voilà, on va aller voir Madeleine. Bougez pas. Madeleine, oui. Ça va bien ? Oui, ça va. On a un peu de mal au dos, mais... C'est normal, hein, c'est la vieillesse. Et oui, il faut bien. Vous êtes où, vous, Madeleine ? À la Baco, Nières. C'est dans un EHPAD, c'est ça ? Oui. Un établissement pour personnes âgées dépendantes. On appelait ça autrefois des maisons de retraite. Oui, c'est ça. Et alors, vous vivez bien à l'EHPAD ? Mmh. Mais oui. Parce qu'on entend parfois des critiques. On dit parfois que les personnes âgées sont maltraitées dans les EHPAD. C'est vrai, ça. C'est pas vrai. Oh, non. Alors, attendez, parce que j'ai Noëlla qui me dit ça dépend. Alors, je vais essayer de me relever. Là, je ne suis pas une personne âgée encore, mais je me déplace un peu moins facilement qu'avant. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Noëlla ? Ça dépend des maisons de retraite aussi. Oui, ça dépend des maisons de retraite. Oui. Et vous êtes bien ? Très bien, mais il manque de personnel. C'est ça qui manque, de personnel. Pour aider aux autres, il manque. On va en parler un petit peu plus en détail. Eh bien, voilà, j'entends. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal Chanvert ? Présentez-vous. Alors Pascal Chanvert, je préside l'association des directeurs au service des personnes âgées, c'est-à-dire les directeurs de services à domicile et de maisons de retraite. Je veux dire deux choses. D'abord, je partage l'analyse de madame. Évidemment qu'on manque de personnel en maisons de retraite, mais aussi dans les services à domicile, et qu'il faut que le président de la République écoute cette réalité. Puis deuxièmement, par rapport à la question, est-ce qu'on vit bien en France ? D'abord, à quel âge on est vieux ? Moi, je suis un vieux pour vous, mais pour madame, je suis un petit jeune. Donc, on est tous et jeunes et vieux. Et dans nos têtes,
on a des moments où on est vieux, c'est-à-dire on a de l'expérience, on a de la sagesse, on a accumulé plein de choses. Puis il y a des moments où on est jeune parce qu'on est plein d'enthousiasme, quel que soit l'âge de sa carte d'identité. Le problème de fond, c'est que dans une société comme la nôtre, on est agiste. C'est-à-dire que l'agisme, c'est une discrimination, comme le sexisme, comme le racisme, comme l'antisémitisme. Mais la différence, c'est que si je tiens des propos racistes, antisémites, homophobes, sexistes, je vais tomber sous le coup de la loi. Si je vous dis, j'aime répondre à une journaliste jeune, mais ça, c'est de l'agisme. Mais ça va être pris comme un compliment. C'est-à-dire que vous pensez qu'on vit dans une société aujourd'hui qui discrimine les personnes âgées ? On vit dans une société qui discrimine profondément les personnes âgées. C'est ce que je pense, mais pas moi seul. La DEPA que je préside, mais aussi les Nations Unies, l'OMS, l'Union Européenne. L'agisme, la France, l'agisme est reconnu dans notre pays comme une discrimination. Mais nous n'en parlons jamais. Parce que nous sommes tous agistes. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire à la télé « vaut mieux être un homme qu'une femme, vaut mieux être hétéro qu'homo, vaut mieux être blanc que noir ». Malheureusement, encore aujourd'hui, on peut dire « vaut mieux être jeune que vieux ». Et ça, c'est insupportable. Il faut faire progresser notre société sur cette question. Et justement, sur cette question, je me tiens aux côtés d'un sociologue, Michel Billet. Ça va, Michel ? Bonjour, oui. Bah, merci d'être avec nous. Il connaît l'émission, Michel. Hein. Michel, il est spécialisé dans les questions relatives au handicap et à la vieillesse. Il est président de l'Union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées. C'est quoi cette tyrannie du bien vieillir ? C'est quoi bien vieillir ? Alors, cette tyrannie du bien vieillir, c'est au fond une espèce de pression sociétale qui nous est faite pour que nous ayons le droit de vieillir à condition de rester jeune, ce qui est évidemment complètement absurde, et pourtant nous entrons tous plus ou moins dans cette injonction qui nous est faite, en construisant la vieillesse, tantôt comme un problème, tantôt comme une maladie, tantôt comme un délit. Un problème partout, on entend parler du problème du vieillissement de la population, et qui viendra nous dire... Comme un problème. Qui viendra nous dire que ce vieillissement, cette avancée en âge, c'est une chance. Partout, on entend parler de la vieillesse comme d'une maladie qu'il faudrait éradiquer. On a même inventé en France des diplômes universitaires de médecine anti-âge. Ben voyons, moi j'espérais que la médecine m'accompagne jusqu'au bout de l'âge. Non, non, une médecine pour vous empêcher de vieillir. Et du coup, on construit la vieillesse de plus en plus comme un délit, délit dont se rendent coupables ces salauds de vieux qui n'ont pas l'élégance de quitter la scène avant de commencer à coûter du pognon à leurs concitoyens. Qu'est-ce que c'est que cette construction incroyablement absurde de la vieillesse alors que nous pourrions regarder la vieillesse comme une chance qui nous est donnée personnellement et ensemble. Et justement, hein, sur les réseaux sociaux, sur l'hashtag FlashTalk, il y a Nicolas qui dit « Il faut faire en sorte de vieillir le mieux possible pour rester le plus longtemps autonome. Il y a des papis de 80 ans, et sûrement des mamies aussi, qui pètent des parpaings au Japon. » Ah oui, évidemment, là, tout de suite... La vieillesse, ce n'est pas une maladie, j'entends autour de moi. Je suis aux côtés d'Edouard Caroubi, qui est le chef du service de gériatrie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. On va regarder un petit sujet ensemble où on va vous voir intervenir. Et puis, on se retrouve juste après. Estelle Gianjo a testé un simulateur de vieillesse que vous utilisez dans votre hôpital. On regarde et on en parle juste après. Voici les éléments qui constituent le costume de simulation du grand âge. On a une attelle classique de genoux qui mime une arthrose plus sévère et une légère attelle qui mime l'arthrose du genou. Donc ça fait une asymétrie au niveau du mouvement. Nous avons différentes lunettes qui miment différentes pathologies de la vision. C'est très long. Pas de problème de dos, hein, franchement. J'ai pas de problème de dos. Pour l'instant, j'ai pas de problème de dos. En dessous, comme ça, après. Ok. Le casque qui mime. Voilà, donc là en fait dans le glaucome, ce qui se passe, c'est qu'on a un rétrécissement du champ visuel. Oui, totalement. Et ça limite de plus en plus. Ok. Ouais. Okay. En fait, il y a des éléments auxquels je ne fais carrément plus attention en fait. Oh. C'est gentil ça. Et ça c'est fréquent, une petite bousculette pas méchante. Tenez. Vous êtes à la boulangerie, s'il vous plaît, madame. Je vous devais une baguette. Vous me donnez 1,15€, s'il vous plaît. 1,25€, s'il vous plaît. 15 1,25€. 25 ou 15 25. 25. S'il vous plaît, je vais me dépêcher, il y a du monde derrière vous, là. Eh ben, les jeunes vont attendre. Hop,
Alors, ça c'est 50. Attendez. Vous voulez que je vous aide ? Non, non, ça va, merci. Du coup, on fait ça ? Ouais, je vous mets un peu partout. Ouais, attendez. Alors Estelle, elle est avec nous aujourd'hui. Estelle, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Maintenant, j'ai tendance à plus respecter, je pense, les seniors, parce que le coup du « on bouscule à côté d'un muret, enfin on bouscule l'épaule », c'est pas très désagréable quand je marche très vite dans le métro, et je pense que j'en ai bousculé plus d'un. Je ne ferai plus jamais ça, et maintenant je contourne toujours les seniors maintenant pour pas être dans leur angle mort à cause de la cataracte. Donc voilà. Pourquoi c'est si important, Edouard Carucci, de développer l'empathie vis-à-vis des personnes âgées ? Pas vraiment l'empathie, puisque beaucoup de personnes ont de l'empathie, mais on a vu quand même que la meilleure façon pour se rendre compte, d'apprendre quelque chose, c'est de vivre une expérience. Et on a constaté que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne l'apprend pas bien. Donc il faudrait que, si je vous suis, que tous les responsables politiques puissent expérimenter ce simulateur, notamment pour équiper l'espace public pour les personnes âgées ? Exactement, parce qu'il y a des aménagements qui sont faits pour le handicap, mais effectivement, ce serait intéressant, et on va essayer de développer cette approche, pour que la société soit plus ouverte, soit plus adaptée au vieillissement. Et le vieillissement n'est pas une maladie, mais sauf que la société évolue, la population vieillit, il faut que l'environnement urbain, il faut que l'environnement évolue aussi. Comme effectivement que la population, il y a une plus grande mixité, une plus grande interaction, plus de comportements transgénérationnels pour que notre société soit en phase avec le vieillissement. Et quand on entendait tout à l'heure parler d'agisme, de discrimination à l'égard des personnes âgées, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui et non, parce qu'en fait, quand on pense à vieux, on pense à handicap, à perte d'autonomie, à perte de la dépendance. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on travaille dans l'esprit de la société, c'est que le terme vieux ne veut pas dire forcément dépendance, handicap. C'est ça, il faut vraiment qu'il n'y ait pas cet amalgame. Pas une identité, être vieux. Je pense que on parle de vieux, de vieille, alors que c'est totalement faux. On vieillit, mais on reste les mêmes. On a les mêmes désirs. C'est toujours drôle d'entendre les gens dire « Mais moi, dans ma tête, je suis encore jeune. » Mais tout le monde est encore jeune. On reste intact dans notre vie, dans nos désirs, jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est ça qui est... C'est le regard des autres qui fait qu'on considère que nous sommes des vieux et des vieilles. Je vois que vous avez un petit badge là sur votre veste. Vous voulez bien vous présenter ? Oui, je suis Francis Carrier de l'association Grey Pride pour les seniors LGBT. Et c'est un badge sur la campagne que nous menons actuellement sur Révolution Senior, où on parle de sexualité, de toutes les sexualités, de toutes les identités de genre. Il faut savoir que le désir et d'un corps reste le même. On a eu une vie, hein, et on peut l'avoir, on peut tomber amoureux, on peut avoir une sexualité jusqu'au bout, on peut avoir envie d'être caressé, on peut avoir toutes ces choses semblent interdites dès l'instant où on dépasse un certain âge. La sexualité n'appartient pas qu'aux jeunes, elle fait partie de notre identité. Et c'est quelque chose qui doit être considéré comme normal. Et donc il faut en parler, il faut lever ce tabou. On lève tous les tabous aujourd'hui dans Flash Talk. Rafale. Pas mal de réactions aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Par exemple, Joyce qui nous dit « Ceux qui ont peur de vieillir et pensent qu'à la retraite, on s'emmerde, ont tout faux. » Dounafa aussi nous dit « À mon sens, pour bien vieillir et nous assurer une fin plus paisible, il faut apprendre assez tôt à apprécier la solitude. » C'est Flash Talk, si vous venez de nous rejoindre. On est en plein Paris, dans le 11e arrondissement. Évidemment, on vous donne la parole aussi, même quand vous ne la demandez pas. Bonjour monsieur, bonjour. Je suis Rafale de l'émission Flash Talk. Regardez, on tourne juste ici. Approche-toi. C'est quoi ton prénom ? Sullivan. Ça va Sullivan, tu habites où toi ? Alors juste à côté, rue Breguet. On est chez toi, hein. Tu nous accueilles gentiment, on essaie de te rendre le coin propre à la fin. On fait une émission sur nos vieux jours, on parle de l'âgisme aussi. Est-ce que tu penses que c'est bien de vieillir ? Alors oui, parce que c'est la continuité de la vie et je pense que c'est quelque chose de naturel. Voilà. Est-ce qu'on s'occupe assez bien de nos seniors ici en France à ton avis ? Quelquefois j'ai vu des seniors dans des situations un peu compliquées. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu plus d'attention pour leur bien-être. Voilà. Un peu plus d'attention pour leur bien-être. Vous entendez ? Hein ? C'est plutôt pas mal. On va continuer évidemment à parler de tout ça. Merci beaucoup, camarades. Hein.
Alors, quand on parle de vieillesse, on en vient forcément aussi à parler de dépendance. Hein, c'est ce qu'on disait avec vous, monsieur Karoubi, avec le vieillissement de la population. Le nombre de personnes qui vivent avec des maladies chroniques ou invalidantes en situation de handicap ou en perte d'autonomie a augmenté. Et je me tourne à présent vers vous, Jacqueline Jeanquel. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes membre de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et vous avez pris la parole récemment pour expliquer que vous préfériez mourir dignement, ce sont vos mots, plutôt que de finir votre vie dans un EHPAD. Est-ce que vous comprenez que cette position, cette prise de position publique ait pu choquer ? Probablement parce qu'on m'a mal compris. Comme je suis vieille, je peux me permettre de parler des vieux. Et je trouve que c'est un peu con d'employer des euphémismes. Les seniors, les personnes âgées... Je suis vieille, j'assume d'être vieille et je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus de respect envers les vieux et ne pas les traiter comme des enfants, comme on le fait dans beaucoup d'EHPAD, et c'est surtout ça qui me dérange. J'ai vécu ma vie comme une personne libre toute ma vie, j'étais indépendante et j'ai pas envie d'un seul coup d'être infantilisée. Alors la dépendance, c'est pas forcément le fait qu'on puisse pas soi-même prendre son bain, se lever. On peut être aidé à certaines choses si on est de mobilité réduite et on peut rester quand même indépendant. Indépendant, ça veut dire qu'on est considéré comme un égal par la personne que vous avez en face de vous. Je trouve insupportable la différence entre la France et la Suisse. Et la différence, pourquoi ? Parce qu'en Suisse, le suicide assisté est autorisé, alors qu'en France, non. Mais par contre, en France, on n'a pas le même respect envers les personnes âgées qu'on a en Suisse. Moi, je milite pour une seule chose, pour le choix. Pour le choix en fin de vie. J'ai milité quand j'étais jeune pour le choix de disposer de mon corps. J'ai milité pour le droit à la contraception. J'ai milité pour le droit à l'IVG. J'ai milité pour que les femmes aient le droit d'avoir un compte en banque et ne dépendent pas de leur mari. Maintenant que je suis vieille, je milite pour le droit d'avoir le choix de décider quand moi, ma vieillesse est devenue insupportable. Alors, en octobre, je vais avoir 75 ans. Je prolonge, j'ai décidé de prolonger d'un an et demi, peut-être un peu plus. Je fais, je dirais peut-être 90% de mon temps, c'est de la prévention du suicide. Parce qu'il faut savoir que les suicides de personnes âgées sont souvent des suicides violents et qui ratent. Il faut savoir que sur 50 suicides, il y en a 49 qui ratent. Et les personnes se retrouvent aux soins intensifs, sont désespérés et donc il faut écouter cette demande-là aussi. J'entends de brouhaha aussi sur notre plateau des gens qui ont envie de réagir à votre témoignage. Merci. Comme Pascal Chanvert, je rappelle, vous êtes président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jacqueline et puis à celles et ceux qui pensent comme elle ? Je suis d'accord avec cette dame sur deux points. Elle est vieille, je suis vieux, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Deuxième élément, je suis d'accord que dans les établissements pour personnes âgées et dans les services à domicile en Suisse, ça fonctionne beaucoup mieux qu'en France parce qu'il y a deux fois plus de personnel. Après, moi, je suis désolé, Jacqueline, dans deux ans, elle va mourir. Elle ne pourra plus être là pour défendre, faire avancer la société. Moi, ce que je veux, avec l'ensemble des salariés, avec les directeurs, avec l'ensemble des retraités personnes âgées, avec l'ensemble des Français, c'est améliorer les conditions de vie des personnes âgées, à domicile ou en établissement. Et puis, je voudrais juste un petit truc. Un jour, on m'a dit, dépendant, moi, je souhaite qu'on n'utilise pas ce terme, parce qu'il est dévalorisant. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais dépendant, tout le monde comprend. Ce à quoi j'ai répondu, mais négro, bougnoule ou pédale, tout le monde comprend, mais moi, c'est des mots que je n'utilise pas. Le terme de dépendant, c'est un terme qui discrimine, c'est un terme qui est fait pour dévaloriser les personnes âgées, les vieux, quand ils sont handicapés. Parlons de personnes fragiles. Pour vous, il est aussi fort que les mots que vous avez utilisés juste avant ? Absolument, bien sûr. Le terme de dépendant, alors que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et donc aussi péjoratif. Hein. Soit nous sommes tous dépendants, et ce n'est pas péjoratif, soit il n'y a que les vieux, quand ils sont fragiles ou vulnérables, qui sont dépendants, et ça, c'est de la discrimination. Donc arrêtons avec ce terme, parlons de personnes âgées, parlons de vieux qui ont des handicaps, qui ont des difficultés, mais je voudrais rappeler une chose à cette dame, c'est que 80% des plus de 80 ans, ils vont bien. Madame va se suicider dans deux ans, elle a 80% de probabilité à plus de 80 ans d'être en bonne santé. Ça aussi, c'est important de le dire, parce que ça montre que les 20% qui vont pas bien,
qu'il faut accompagner, ça ne coûte pas très cher parce qu'il n'y a que 20% des plus de 80 ans qui ont besoin d'être aidés. Donc il faut les aider. Et puis quand on les aide, ça crée des centaines d'emplois pour les plus jeunes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je trouve qu'il faut faire un maximum pour les personnes et pour celles qui ont plus de 80 ans, justement. Je suis d'accord avec vous, mais par contre, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de personnes de plus de 80 ans qui sont en parfaite bonne santé. Je regrette de vous le dire. Non, mais moi aussi, je peux vous parler des mêmes statistiques. Oh là, Attendez, je suis avec Denise, 83 ans. Je crois qu'il y a Denise qui ne va pas être d'accord. Denise. Je suis désolée de vous contredire, madame, mais je côtoie régulièrement des personnes, je donne des cours à des seniors, de 60 à 80, 85, 90, 90 ans, et qui font encore de la gymnastique correctement, et qui ont toujours des envies, et qui ont de la coquetterie, et qui sourient, et qui sont heureux de venir en cours de gymnastique. J'ai 83 ans et j'espère bien aller encore plus loin et en bonne santé comme je le suis. Alors, je pense que le bien vieillir existe à condition de prendre soin de soi et surtout de sourire à tout le monde, d'aimer. Et puis, comme le disait monsieur, la sexualité, si on l'arrête, ça ne marche plus. Alors, Edouard Caroubi, je rappelle que vous êtes le chef du service de gériatrie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Vous vouliez réagir sur certains points. Il faut qu'on soit plus dans la prévention. Et c'est un gros problème en France. On n'est pas assez dans la prévention. Et pour prévenir, pour mieux vieillir. Alors, il y a différentes façons de mieux vieillir et de prévenir ce vieillissement. Du moins, de ne pas prévenir le vieillissement, de prévenir la perte d'autonomie et les problèmes. Si on peut prévenir le plus longtemps possible le maintien à domicile, c'est très bien. Mais effectivement, par moment, on a besoin d'établissements. Et par contre, effectivement, il faut casser. On a besoin des maisons de retraite, d'EHPAD. Par contre, il faut casser cet isolement et augmenter le transgénérationnel, effectivement, et de réunir grand-mère, fille et petite-fille, c'est important. Donc voilà, ça, c'est important. Vous continuez évidemment à débattre, à réagir. Il y a pas mal de tweets que j'irai dans un instant sur le hashtag Flash Talk. Mais là, je me tiens aux côtés d'un directeur d'hôpital, professeur à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. C'est Robert Lockman. Merci d'être venu jusqu'à nous. Comment allez-vous ? Ça va. Enfin, un peu moins bien puisque je viens d'apprendre que j'étais vieux. Mais enfin, bon. C'est pas grave, c'est plutôt bien, c'est ce qu'on est en train de se dire justement aussi dans cette émission. Et puis, vous dénoncez l'hypocrisie autour de l'euthanasie dont il est question là maintenant. Oui, absolument. Je pense que l'euthanasie procède à la fois d'une confusion et puis génère aussi une immense injustice sociale. Confusion d'abord. Madame a utilisé tout à l'heure les termes de suicide. Qu'est-ce que c'est que l'euthanasie ? L'euthanasie, c'est vouloir mettre fin volontairement à ses jours. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mettre fin involontairement aux jours des gens, c'est un crime. Et c'est puni régulièrement devant les tribunaux. Dès lors qu'on a envie de mettre fin à ses jours, pourquoi ne pas le faire tout seul ? Ça s'appelle le suicide. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la législation, un médecin qui passerait une perfusion induisant une sédation terminale à une personne est dans la loi. Et si, terminant son travail, revient chez lui et aide un ami ou quelqu'un de sa famille à mourir, il peut être poursuivi devant les tribunaux. Donc en fait, la réalité et le fond du problème, c'est le suicide. Et deuxièmement, ça procède d'une immense injustice sociale, puisque certains d'entre nous vieillissent plus vite et plus mal. Ce qui veut dire que si on étend l'euthanasie, si on passe le cap de la sédation terminale déjà, qui est un cap très important et très lourd de conséquences, ce qui veut dire que ceux qui y seront le plus exposés, ce sera les personnes déjà qui ont eu une vie la plus difficile socialement, qui auront une vie la plus courte et qui seront exposées à une fin de vie anticipée. Et troisièmement, et j'en finirai là, l'euthanasie est aussi à rebours des évolutions sociales, je viens de le dire, mais aussi des évolutions scientifiques. Les progrès de la médecine, et le professeur pourrait en attester, sont absolument fulgurants aujourd'hui. Et il y a même des entreprises qui travaillent très sérieusement sur la question de la mort, en considérant que la mort est désormais une maladie comme les autres et qu'il faut faire en sorte de l'éliminer, de l'éradiquer. C'est tout le mouvement sur le transhumanisme qui est d'une part l'amélioration des performances de l'être humain, mais aussi la régénération de l'être humain. Et aujourd'hui, le cap des 120 ans qu'on croyait être l'échéance finale de presque inaccessible, ouais. Presque inaccessible, aujourd'hui est fortement remis en question par les scientifiques eux-mêmes. Donc on est dans un mouvement où on va aller vivre de plus en plus, on vit de plus en plus vieux, de mieux en mieux quand on est vieux, et c'est très étonnant de réfléchir aujourd'hui à l'euthanasie et à la fin anticipée de l'existence.
Alors moi, je me trouve à côté de Noëlla, qui suit nos débats et nos discussions avec beaucoup d'attention depuis tout à l'heure et qui voulait réagir. Noëlla. J'avais 92 ans. Eh bien, je vieillis bien, je m'amuse, tout ça. J'aime bien danser, tout ça. Mais il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller. J'ai des copines là qui ont 93 ans, 94 et 95. Mais on se remue, on apprend des chansons pour passer être avec Pierre. Très bien. Ça, c'est la vie. Il faut chanter, il faut danser, mais il faut pas penser à la mort. Pendant qu'on est vivant, qu'on s'amuse. Super. Pierre voulait ajouter quelque chose? Oui, alors c'est marrant parce qu'elle dit faut pas penser à la mort et pourtant Noëlla, elle en parle souvent, mais elle dit voilà, quand je partirai, moi j'ai déjà tout préparé, mais tout va bien. Et ils sont beaux, elles sont belles, les Huguettes. Et en fait, je pense qu'on les voit pas assez. Et que si on veut arrêter, si on veut changer le regard, il faut qu'elles soient plus présentes dans nos vies. Et c'est pour ça que si vous nous invitez pas, aujourd'hui, elles sont dans leur chambre et elles restent dans leur chambre. Donc c'est à nous de provoquer des projets pour qu'elles sortent et pour qu'on interagisse et qu'elles nous transmettent tout ce qu'elles ont à nous transmettre. Faut inviter les Huguettes partout. Et merci aux Huguettes de s'être levées à 5h du matin aujourd'hui pour être parmi nous aujourd'hui dans Flash Talk. Alors il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. On va essayer quand même parler de ce chiffre et donner la parole aux gens qui sont autour de ce tapis. Ce sondage IFOP de mars 2017 qui disait 97% des Français sont favorables à un suicide médicalement assisté, 95% se déclarent ouverts à l'euthanasie. Je pose la question ici. C'est quoi ton prénom ? Julien. D'où tu viens, toi ? La Martinique. Ah bah c'est cool, bienvenue. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu penses de ça, l'euthanasie alors ? Alors, je sais que c'est une grosse question, et puis on se lève pas le matin tout de suite avec un micro sous le nez pour se dire « Alors l'euthanasie, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ?» C'est compliqué parce que ça touche, je trouve, un peu à la religion qui est assez personnelle et du coup... Aussi pour toi, oui. Alors j'imagine, pour moi, oui. Tu dis ça parce que t'es croyant, j'imagine. Tiens, oui. Et du coup, c'est assez difficile à répondre comme question, mais je pense que... La vie, c'est un choix et que chacun est responsable de ce qu'il pense et ce qu'il veut. Et peu importe sa religion ou sa culture, il faut savoir respecter le choix des autres. Voilà. Francis Carrier, vous vouliez réagir aussi? Ah oui, parce qu'on nous fait le coup à chaque fois. Y a une phrase simple, « Mon corps m'appartient ». Si on part de ce principe, de cette liberté, on n'a aucune raison d'être soumis par le législateur ou par des dogmes religieux pour nous empêcher donc de pouvoir bénéficier des droits que l'on doit pouvoir avoir jusqu'à la fin de notre vie. C'est le même principe pour l'orientation sexuelle, pour l'identité de genre, pour l'avortement. À chaque fois, c'est les autres qui vont se mêler de notre façon de vivre. Alors que l'État se préoccupe des conditions dans lesquelles on vit, que l'on accompagne les vieux pour qu'on respecte leur identité, pour qu'on vieillisse dans de bonnes conditions. Là, oui, c'est là le rôle de l'État, mais absolument pas de décider d'empêcher l'euthanasie. L'euthanasie active doit être un droit parce qu'elle permet de mourir dans des meilleures conditions pour ceux qui le souhaitent. Vous continuez de dire tout ce que vous pensez de ça, nos vieux jours, l'euthanasie. Est-ce qu'on s'occupe bien de nos vieux ici, en métropole et dans les Outre-mer, avec le hashtag Flash Talk. Et le voilà, mon tonton préféré. Mikaya, comment ça va ? Ça va, mon vieux ? On dit ça, oui, ça va, vieux. Hein, c'est notre cartooniste, évidemment. Cette semaine, premier dessin, camarade. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup de choses, là, mais on a vu que surtout la vieillesse, c'était dans les yeux des autres. J'imagine un adolescent face à un adulte, chacun se regarde en chien de faïence, et puis l'ado qui dit « ex-jeune ». Et l'adulte qui dit futur vieux. Ouais, bien vu, bien vu. Un autre dessin. Oui, on a parlé, la personne qui était de Grey Pride, ça m'a fait penser à quelque chose. Sport et senior, à quand les Grey Games ? Et donc, évidemment, là, ils sont en train de faire leur course, mais en déambulateur, pour ceux qui ne voient pas le dessin. Et un petit dernier, on a parlé d'euthanasie, on a parlé d'EHPAD. Et j'imagine... une dame dans son lit d'hôpital qui dit « Entre économiser pour un EHPAD ou pour une euthanasie en Suisse, j'ai préféré investir dans un sixième lifting. » Ah oui, et puis il n'est pas très réussi là, hein, en plus. C'est, hein. C'est à peine exagéré. Hein, le feutre a bavé, mon cher Mikaya. On se retrouve d'ici la fin de l'émission avec Mélanie, que vous découvrez à l'écran, qui est notre community manager, pour le tweet de fin. Alors les moqueries, l'humour, c'est souvent une manière de mettre à distance un sujet qui peut faire peur, qui peut être tabou, on l'a vu. Petit tour d'horizon des réseaux sociaux, c'est l'heure du Story Flash avec Juliette Jean.
Les vieux prennent cher sur Twitter. Même leurs petits-enfants poussent l'humour noir assez loin, à l'image de Miss Deville. J'ai offert des bains de boue à ma grand-mère pour Noël, histoire qu'elle s'habitue à la terre. Geoffrey, lui, nous explique comment s'adapter aux mœurs des anciens. Jouer au Scrabble avec sa grand-mère, c'est poser requin quand tu avais trouvé niqué. Pour certains, c'est le Scrabble, pour d'autres, le sempiternel déjeuner du dimanche midi chez mamie. Qui ne manque pas de temps pour préparer le repas, comme le rappelle Mister Ruffy. Les dimanches midi chez ma grand-mère. Les vieux auraient un autre rapport au temps que nous, actifs. Et si tout ça, c'était un complot pour nous pourrir la vie ? Plus lent, Robert. Plus lent. Pourris-le, fais tomber ton chou-fleur. Oh, pardon. Dis-y que tu vois rien et que t'as mal à la jambe. Lucien, caisse 5. Antoine, plus long avec la monnaie, donne des francs. Pierrette, ralentis. Ils ont le temps. On rigole, mais après tout, on sera tous vieux un jour. Alors comment saura-t-on qu'on a franchi le cap ? Boyd Backyard a une petite idée. Je me sens toujours mieux quand mon médecin me dit que c'est normal pour mon âge. Puis je réfléchis et je me dis que mourir sera aussi un jour normal pour mon âge. Bref, tout est question d'acceptation. En Hollande, par exemple, pour faire face au grand âge, on apprend aux seniors à bien tomber. Et nous, en France, est-ce qu'on s'occupe bien de nos vieux ? Alors, comment lutter contre l'exclusion des personnes âgées ? Peut-être d'abord en changeant le regard qu'on leur porte. Je suis avec des membres de l'association Ensemble Deux Générations, une association qui fait donc de la colocation jeune-vieux. Vous allez nous parler tous les deux de votre expérience dans un instant. D'abord, Catherine Garnier, en quelques mots, vous êtes chargée de mission au sein de cette association. Présentez-nous son action et pourquoi c'est important de faire cohabiter des jeunes et des vieux. Alors l'association Ensemble de Générations a 10 années d'expérience. Elle a été créée par Madame de Penfentegno dans l'objectif de briser la solitude des seniors et d'un autre côté ouvrir de nouvelles potentiels de logement pour les étudiants, mais aussi recréer du lien intergénérationnel. Donc qu'ils vivent ensemble une relation harmonieuse basée sur la convivialité, l'échange, le partage, l'attention de l'un portée à l'autre. Et côté senior, ça leur permet de vivre plus longtemps à leur domicile. C'est une forme d'occupation à la retraite. Certains vous diront « je retrouve le goût à la vie », c'est une démarche solidaire. Donc je crois que c'est vraiment vivre ensemble pour mieux vivre. Alors on va peut-être les écouter directement puisqu'ils sont là avec nous aujourd'hui, Ségolène et Joseph. Vous n'habitez pas ensemble, Ségolène et Joseph ? Non, on n'habite pas ensemble. Il y a des gens qui disent pas encore. J'aime beaucoup voilà. Les personnes âgées. Les hommes reçoivent des jeunes, des garçons, et les femmes reçoivent des filles. Ah, d'accord, il n'y a pas de mixité dans votre association. Enfin, c'est possible. Mais Ensemble de Générations fait en sorte qu'il y ait des correspondances, des affinités qui se créent. Ça peut être l'art, la musique, pour que la personne âgée se sente à l'aise et que l'étudiant aussi se sente à l'aise. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se crée. Alors, racontez-nous, Ségolène, on va commencer du début. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit, tiens, et si je me mettais en coloc avec une personne âgée ? Alors, mon école, qui est à Paris, m'a dit qu'il n'avait pas de proposition de logement pour m'aider. Et moi, je n'avais pas les moyens financiers de m'installer à Paris autrement. Et ils m'ont parlé d'Ensemble de Générations. Et tout de suite, j'ai trouvé l'idée séduisante. J'avais l'habitude de m'occuper de ma grand-mère. J'ai toujours eu des personnes âgées, des vieux, comme on les appelle, autour de moi. Et ça m'a séduit. Je me suis dit, allez, c'est parti. Et c'est allé très vite. Et depuis, on ne s'en lasse pas. Et j'ai ma coloc, Maya, qui est derrière, parce qu'on est deux à habiter avec une personne âgée. Et c'est le plaisir tous les jours. Vraiment. Approchez-vous, Maya. Alors comment ça... Alors on va dire quand même, on va citer le nom de la personne avec qui vous vivez. Alors elle s'appelle Marie-Odette, mais tout le monde l'appelle Madoré. Alors Madoré, on vous embrasse, oui, vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui. Comment ça se passe la coloc avec Madoré ? C'est super, moi dès que j'entre à la maison c'est « Oh Maya, ça va, tu vas bien ?» Donc je peux dire que c'est ma grand-mère de cœur et
on s'apporte beaucoup de choses. Moi, je les fais souvent la lecture du théâtre ou de la philo parce que ce sont mes études. Je me sens comme la petite fille pour elle. Et Ségolène, c'est la même chose. Ouais. Ouais. Même, je suis fille unique, donc j'ai trouvé une sœur, j'ai trouvé une grand-mère à Paris. On a recréé un peu l'esprit familial. Nos parents sont rassurés aussi de savoir qu'on est bien entourés. C'est que des points positifs. Il n'y a aucun inconvénient, dites la vérité. On est là pour se dire les choses. Hein. Non, parce qu'en fait, il y a tellement d'avantages et de bénéfices. On est tellement bien que même un petit souci dans le quotidien nous paraît rien, dérisoire, vraiment. Donc vous encouragez tous les étudiants à le faire? Oui, complètement, oui. Et alors vous, Joseph, quel est votre point de vue? Racontez-moi un peu. Moi, j'ai déjà connu ça quand j'étais étudiant. J'étais 2 années chez des personnes âgées, chez des dames d'ailleurs. Et donc là, quand j'ai connu l'association, je me suis dit, je vais m'y mettre également. Et comme j'avais 2 chambres d'enfants disponibles, j'ai maintenant, depuis l'an dernier, j'ai 2 étudiants. Et alors, comment ça se passe? Ah, c'est moins comme ce qu'elle vous a expliqué là, parce que moi je suis plus réservé. Les garçons ils parlent pas tellement, moi non plus d'ailleurs. C'est chacun dans sa chambre. C'est chacun dans sa chambre, mais quand même ils font de la cuisine chez moi, dans ma cuisine. Mais vous faites ça pour des raisons économiques ou pour avoir de la compagnie? C'est compagnie, d'accord. C'est pour rendre service. Hein. Je sais que les étudiants ont des difficultés pour trouver des chambres. Moi, je demande 285, je ne leur demande pas d'assistance. Hein. Je suis pas encore dépendant. 285 € par mois pour une chambre? Oui, pour une chambre de 9 mètres carrés. Et donc ça, c'est la raison, c'est pour rendre service, mais aussi par intérêt. J'ai installé sur mon toit des panneaux photovoltaïques. Ça a un certain coût. C'est de l'écologie, c'est bien, mais c'est cher. Hein. Donc je rembourse sur 8 ans et mes étudiants m'aident pour cela. Gisèle, qui est à côté de moi, elle est un peu timide. Gisèle, ça va, Gisèle? Ça va. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton asso? Pour mon asso, on s'appelle Confort et Bien-être. Confort et Bien-être dans le 20e arrondissement. Donc on s'occupe des personnes âgées à domicile. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Alors on les aide au quotidien. Et puis, on leur propose aussi les activités via les clubs du 3e âge dans les environs. Donc, au niveau des clubs, on a des activités mémoire pour les personnes atteintes des maladies Alzheimer et des maladies apparentées. Et puis, on maintient le lien social par les petits voyages proposés par la mairie, des sorties. Et puis, il reste du temps encore après tout ça? Il reste du temps, oui, des plannings qui sont proposés régulièrement. Alors, est-ce qu'on s'occupe bien de nos vieux en France? On se pose la question depuis le début de cette émission. On va essayer de prendre un petit peu de recul avec vous, Clément Boxbeld. Vous êtes cofondateur du projet Oldyssée, qui regroupe des idées, des initiatives et des portraits de personnes âgées dans 11 régions du monde. Vous êtes allé pendant un an à la rencontre des vieux au Japon, en Chine, en Inde, au Brésil, en Colombie, aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, en Afrique du Sud et dans d'autres pays d'Europe. Comment se situe la France par rapport à ces autres pays? Est-ce qu'on s'occupe mieux de nos vieux que les autres? Moins bien? Alors c'est une question qui est difficile parce que moi j'ai vu que des choses positives à travers le monde. Donc j'ai tendance à dire que dans le monde il se passe plein de choses bien. En France on le voit qu'il y a toutes ces initiatives dont on a déjà parlé qui sont bien. Mais je pense qu'on a en tant que Français certains dogmes, certaines façons de penser la vieillesse. Qui nous semblent naturels, mais qui en fait sont très culturels. Et si on retourne la question, parce que moi, voilà, j'ai 27 ans, qu'est-ce que les vieux peuvent nous apporter, hein? Comment vivre, comment réinventer sa vie après la retraite? Quel sens, quelle utilité on peut donner à sa vie? Et comment on peut valoriser leur rôle dans la société? Donc, J'allais vous demander, en fait, est-ce que vous avez pu observer des choses à travers le monde qu'on aurait vraiment intérêt à imiter, à importer chez nous en France pour mieux intégrer les vieux, les personnes âgées dans notre société, à l'image de cette colocation dont on parlait à l'instant? Au Sénégal, par exemple, l'initiative qu'on a vue qui nous a beaucoup marqué, ce sont des grands-mères qui se mobilisent pour empêcher les mariages forcés, pour empêcher les grossesses adolescentes, pour empêcher l'excision. Et donc c'est un rôle très positif qu'on leur donne. Et en fait, on exploite l'influence qu'elles peuvent avoir dans les familles. Un rôle de transmission. Un rôle de transmission et un rôle d'influence.
Et en fait, elles ont une véritable utilité dans la société. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut beaucoup travailler en France. C'est, il y a toute une ressource, il y a du temps, il y a des compétences, il y a une mentalité encore très dynamique, on a envie de donner du sens, des choses à faire. Leur laisser la possibilité de le faire et les solliciter plus. Moi, je suis dans la régie mobile de Flash Talk. On est là dans le 11e arrondissement de Paris. Pas d'agisme chez nous. Regardez notre réalisateur, la couleur de ses cheveux. Vous l'avez vu. Retourne-toi, Didier. Regarde, il a 25 ans seulement. Hein. Terrible. Hein. Notre community manager s'appelle Mélanie aujourd'hui. On vous a posé une question sur les réseaux sociaux, sur Instagram, notamment avec ce sondage, Mélanie. Est-ce qu'on s'occupe bien de nos vieux? Et donc, vous avez été 89% à répondre que non. Ah bah voilà. Donc, il va falloir faire un effort, les Français. Et quant à la question, faut-il légaliser l'euthanasie? 81% ont répondu oui sur Instagram. On retombe un peu sur les chiffres dont on avait parlé pendant l'émission, justement, de ce sondage IFOP paru l'an dernier. Un tweet de fin déjà, peut-être? Alors oui, Jeanne Anas, en effet, qui a dit « Si je finis en maison de retraite avec mes potes, on se fait des tournois de baby-foot ou de rami, ma fin de vie est parfaite. » Évidemment, le débat va continuer avec le hashtag FlashTalk. Mikaya a suivi cette émission pendant une heure, et puis évidemment, il a fait quelques dessins. Oh là là, je vois que tu vas avoir des problèmes avec le premier dessin. Oh là 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 là. Oui, on a parlé de colocation intergénérationnelle. Donc l'Élysée, et puis... Une bulle qui dit bonjour Brigitte et l'autre bonjour Emmanuel. Voilà, il est évidemment responsable de ses dessins, hein, monsieur le président. Madame la première dame, c'est pas mon genre. Et puisqu'on a parlé aussi de la différence de génération, j'ai pensé à un jeune qui dit « Ça va, papy Jaco ?» et le papy qui dit « Je t'ai déjà dit de m'appeler Seigneur Jack. » Je reconnais ce personnage. Et pour finir, la question quand même, c'était comment bien vieillir? Et la faucheuse qui dit en étant éternel comme moi. Voilà, toujours le sourire avec Mikaya pour terminer. C'est ça qui fait plaisir. Je crois que Michel Billet voulait avoir un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte. Je crois que je peux toujours regarder ma vieillesse déjà présente ou à venir de deux manières contradictoires. Ma vieillesse, c'est cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort. Le risque, c'est de faire de ma vieillesse l'antichambre de la mort, de commencer à mourir tout de suite pour ne pas avoir à mourir demain. À l'inverse, je peux la regarder comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort, et dans ce cas-là, je peux l'investir, surtout si un entourage bienveillant m'y invite et m'y incite, et cela, après tout, c'est possible. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce débat aujourd'hui dans Flash Talk. Merci évidemment tout particulièrement aux membres de la chorale Huguette The Power qu'on va écouter à présent. Est-ce que vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bordel pour Huguette The Power. Flash Talk, est-ce que t'es prêt? Yeah! Paris, est-ce que t'es chaud? Ouais! Come on, Pierre! Ok, je suis dans la place, t'inquiète, Gigi. Spéciale dédicace à toutes les Huguettes qui sont restées en Mayenne, à Simone et Joseph qui sont partis cet été. Chanson composée pour les foins de la rue, par les Huguettes, avec les Huguettes. Marie-Madeleine, je te dis qu'avant, on faisait des... Des veillées. Et tu me dis que maintenant on regarde la télé et la publicité. Ouais, Roger, il est pas là pour le dire, merci les filles. Noël, Gilbert, vas-y, non, c'est toi là. Je te dis qu'avant, l'argent passait par le facteur. Tu me dis que maintenant, on s'arrête au distributeur. Je te dis qu'avant pour draguer on allait au bal. Tu me dis que maintenant on tchatche sur la toile. Je te dis qu'avant il y avait la marmite dans la cheminée. Mais maintenant c'est surgelé. Et plat préparé. Et plat préparé. Ouais. Gilbert, c'est à toi là. Je te dis qu'avant on s'amusait dans la neige chaude. Tu me dis que maintenant on se fait flatcher dans la merco. 100 000 shortés, 90 euros. C'est bien fait pour ta gueule. Ouais. Je te dis qu'avant, c'était 4 heures, la capitale. Tu me dis que maintenant, le TGV, 1 h 10, Paris-Laval. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous pour cette émission Flash Talk. Après le temps,
Ok, les Huguettes, commande publique, c'est le moment du refrain. Comment on envoie? Huguette, t'as le power. Huguette, t'es dans la place. Huguette, t'as le power. Huguette, t'es dans la place. Jeunesse, t'as le power. Jeunesse, t'es dans la place. Jeunesse, t'as le power. Jeunesse, t'es dans la place. Huguette, t'as le power. Jeunesse, t'as le power. Huguette, jeunesse, on est tous dans la place. Les Huguettes sont dans la place. Merci beaucoup, les Huguettes. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce Flash Talk aujourd'hui spécial vieillesse. Ça nous donne presque envie de vieillir, tout ça. Bah ouais, le débat, évidemment, lui, continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle émission. Sur France 2 et la chaîne parlementaire, toujours à bientôt. Salut. Ciao. Mm-hmm.